Bonjour à tous les petits potes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Internet. Aujourd'hui nous sommes à Bruxelles, nous sommes au Comic Con. Et aujourd'hui on va passer deux jours sur le stand de Jérôme, Retour vers le futur. Tu connais le délire. Je vais essayer de vous filmer le maximum de trucs. Il y a des stands de malades, il y a des cosplays de malades. Il y a des acteurs de films qui seront là aussi. Ça va être une journée, même pas, ça va être deux jours. Est-ce que vous êtes prêts? Le vlog commence maintenant. Robinizi, ça déchire. Bon, je fais un peu le tour, mais premièrement, je vais vous montrer les deux stands. Parce qu'en fait, Jérôme, il a un stand Retour vers le futur et il a aussi un stand Harry Potter que je vais vous montrer tout de suite. Là, je suis sur le stand Harry Potter avec Lorraine qui travaille. Je l'ai mis en mode serpentin. Ok, stylé. Qu'est-ce que tu vas nous montrer? Alors, donc on propose une animation avec la phare d'Anglia. Ok, ici. Qui est là. On peut allumer les phares, on la fait démarrer, tout ça. Et puis les gens peuvent prendre un peu des photos à l'intérieur. C'est 5 euros. 5 balles. Et après, on a beaucoup de baguettes ici. Donc là, c'est des animaux fantastiques. Et là, c'est des baguettes. Et la particularité, c'est qu'aujourd'hui, en fait, sur la convention, il y a Queenie, les acteurs de Queenie et Donks qui sont là. Donc les gens peuvent acheter des baguettes pour les faire signer. C'est incroyable. Et elles sont belles, hein, franchement. Il y a le chapeau, c'est ça aussi? Ouais, mais alors aujourd'hui, on fait pas l'animation du chapeau. Okay. Parce qu'à côté, ils font l'animation du chapeau. Donc ah. On peut pas se faire trop concurrence. Ah oui, parce que regardez. Là-bas, c'est ça le coûte combien, ça? Je sais pas, c'est le combien. C'est dans combien, ça, Aragorn? Dans le 2. Avec la voiture. Bah oui, du coup, c'est un peu... Ah ouais, voilà. C'est calculé, mais sans être calculé. C'est ça. C'est incroyable. Il y a aussi le choix-peau qui choisit la maison, peut-être. Okay. Et les gens s'habillent et tout ça. Bon, ça commence à beaucoup se remplir. C'est super cool. Là, je suis devant les acteurs. Je vais vous montrer un peu les files d'attente. Et un peu, il y a qui comme acteur? Bon, là-bas, il y a les acteurs d'Harry Potter. Là, il y a un peu du The Sand, il y a du Star Wars et tout, etc. Et là-bas, c'est Christopher Lloyd de Retour vers le futur. Bon, là, il y a des Animal Fantastique, Power Rangers, il y a du Tortue Ninja. Là-bas, il y a Stranger Things, il y a du Walking Dead et tout. Franchement, c'est lourd. Et tout ça, c'est la queue pour prendre la photo avec Christopher Lloyd et la DeLorean qui est juste derrière tout ça. Je vais vous montrer la DeLorean cachée. Voilà, c'est trop stylé. Et juste à côté, il y a un stand Jurassic Park. Trop mignon. Et même des gâteaux. Je sais pas si dans le film, il y a des gâteaux comme ça, mais je vais vous montrer. Et voici les gâteaux. Avec les petits dinosaures sympathiques. Putain, là-bas, il y a un stand Ghostbusters. Faut que je vous montre. Je crois que maintenant il y a une espèce de bagarre de catch.
faire, mais j'ai un peu du mal à comprendre les gens qui sont vraiment fans de catch. Parce que c'est des acteurs, mais ils jouent pas super bien. Voilà, c'est pas fou quoi. Mais il y a des gens qui étaient fans, dès qu'il y avait les gens qui rentraient sur la scène, ils criaient genre ils sont fans et tout. Mais je ne comprends pas. Bon, je viens de vous prendre un petit plan avec l'acteur de Stronger Chips. Il a pas énormément de monde pour lui, miskin. Mais en vrai, il est stylé le petit jeune. Hein. Là, je vais essayer de vous filmer les actrices de d'Harry Potter en scred. Je sais pas si j'ai le droit normalement. Bon, il y en a qui sont partis ou il y en a qui sont pas encore là. Après, les autres acteurs, en vrai, je connais pas trop The Sang et tout. C'est pas une série que j'ai regardé. Après, là-bas, il y a Star Wars. Ouais. C'est pas trop ma tasse de café. Il y a quoi d'autre? Là-bas, il y a Olaf qui est en train de prendre une photo avec l'actrice d'Harry Potter. Je pense que c'est un moment assez culte. Olaf avec Deadpool et une meuf avec des cheveux bleus, je sais pas, qui prend une photo avec Anna Schaffer de Harry Potter et The Witcher. Voilà, je suis vraiment un vieux qui connaît pas du tout les séries. Hein. Là, juste là, il y a le mec de GTA. Vous pouvez le voir en haut. C'est le mec le plus connu de toute la planète, de tous les jeunes. Et tout là, c'est la queue pour voir monsieur Kevin Eastman, Tortue Ninja. En vrai, j'ai pas la ref. Je ne suis totalement désolé. Putain, je viens de voir Jérôme avec Christopher Lloyd. Et Christopher Lloyd, il est dans sa voiture actuellement. Mais il y a des espèces de gros rideaux noirs. Je sais pas si je pourrais essayer d'avoir un petit plan tranquillou. Je vais essayer. Et je me suis fait daronner par la meuf en me disant no, what a girl power is she compared one. J'ai fait ok, excuse-moi daronne. Voilà. Impossible de vous filmer. Là je vois Jérôme qui doit être super content quand même que Christopher Lloyd soit dans sa voiture. Moi je suis déjà trop content pour lui. Bah, du coup je me suis fait des petits potes. Du coup ça a duré 7 secondes. 7 secondes. Là il y a votre photo qui sort. Je vais filmer un peu. Voilà. Franchement, on voit pas tous les jours. Hein. Non. C'était maintenant jamais. Hein ? C'était maintenant jamais. Ouais. Voilà. Franchement magnifique. Il y a Clément. Clément, il est arrivé hier, il nous a aidé et tout. Il a sa photo avec Christopher Lloyd. Avec Jérôme ? Ouais. Bon héros, Jérôme. Ça t'a fait des petits frissons ou quoi ? Ah, j'étais stressé là. C'est vrai, pour de vrai ? Ouais, bah tu vois pas la tête sur la photo. Ouais. Est-ce que t'as pété devant lui ? Non, quand même. Bon les gars, je vais aller dans l'autre bâtiment, je vais faire des petits plans. Après, j'ai vu un petit pote qui fait des dessins de toi, de moi. Et c'est en mode genre manga, animé et tout. Je vais voir ce qu'il peut faire. Et je pense que ça peut être stylé. Essayer de me dessiner là, bon là il est sur un client et du coup tu fais en mode manga, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, en version manga. Ok, et du coup comme je suis avec Jérôme avec la DeLorean, là t'as dessiné Christopher Lloyd, ouais, qui est incroyable. Oh la dinguerie! Et du coup, ouais, ton but c'est de le faire signer, c'est ça? Franchement, ouais, j'aimerais trop. Ouais, demain peut-être? Ouais, demain, ouais. On se passe les doigts, tu me diras sur Instagram. C'est ça, ouais, pas vas-y, c'est trop bien. Super. Bah vas-y, let's go, moi je suis grave chaud pour un dessin. Vas-y. Bon les gars, c'est la fin de journée, mais maintenant, retour au catch, c'est parti le catch. Et là, Jérôme, il est fou, il est fan, il est fou, il est fan. Ah, t'as pas le droit de faire ça, mec, t'as pas le droit. Arrête. Laisse-le gagner, tu es plus fort que lui, vas-y. Voilà.
Bien. Vas-y, vas-y, tiens-le. Défonce-le. Vas-y, défonce-le. Voilà. Bien. T'es plus fort que lui, mec. Tu peux le défoncer. Allez, allez, allez. Bam. Allez. Bien. C'est ça qu'on veut. Voilà. Bien. Bam. Putain, j'adore le catch. C'est fait défoncer. Mec, mais non, mais c'est fini. Le match est fini là. Le match est fini. Putain, il s'est fait défoncer. Demain, tu défonces. T'es plus fort qu'eux. Ouais. C'est plus fort qu'eux. Regarde-le, regarde-le comment il se la fait. Il y avait le public avec lui. Demain, vous l'éclatez. Demain, vous l'éclatez. Moi, je serai là. Je serai là pour te soutenir. Voilà, il faut. Tension, toi, une tension. Moi, je suis sous aussi. T'as entendu Aaron Ramy? Ouais, Aaron. Ils sont pas tous pour toi ici. Non, j'ai fait ça. Ouais. Demain, tu vas voir. Fais-moi le malin. Moi, je sais pas me frapper. Vas-y. Non, je sais pas me frapper. Moi, je le soutiens. Demain, tu vas voir. Voilà. Ouais, c'est bon, et tout le public. Demain, tu vas l'éclater. Demain, tu verras. Voilà, bien joué, les gars. Beau spectacle. Putain, ils sont fait défoncer, quoi. Les gars, c'est une fin de journée. Quelle journée incroyable. Moi, j'ai kiffé. J'ai marché toute la journée. J'ai dû faire au moins 10 km 58. Il y a Christopher Lloyd qui a signé la voiture de Jérôme. Je vais essayer de vous mettre une photo maintenant. J'ai pas vu, mais il y a des actrices de Harry Potter. Il y a l'acteur de Stranger Things qui est venu d'eux-mêmes voir la DeLorean pour prendre des photos avec. C'est un truc de mahboul. C'est vraiment un truc de mahboul. Là, on va aller à l'hôtel, on va manger et on se retrouve demain pour l'épisode 2 de la journée numéro 2. Bon, en fait, ça sera tout dans un même vlog, alors ça sert à rien que je dise que c'est un épisode 2. Du coup, à tout de suite. Bonjour à tous les petits potes, bienvenue dans le jour numéro 2. Il y a encore beaucoup de monde. Là, je vais rejoindre Jérôme qui est en train de gérer le deuxième stand, là où il y a Christopher Lloyd. Du coup, il est là-bas, je vais le rejoindre. Et après, je vais vous montrer l'équipe qui gère l'autre stand. C'est parti. Le seul, l'unique, Jérôme. Eh oui. Ouais, regarde. Vous m'avez fait une belle file d'attente. Parce que dans à peu près une demi-heure, il va y avoir Christopher Lloyd qui sera à l'intérieur du petit carré noir qui est juste là. Pour faire une photo avec les visiteurs et ma voiture. Christopher Lloyd, quoi. Tu veux faire une photo avec lui? Bah ouais. Allez, c'est parti, let's go. C'est parti, let's go, les petits potes. Les gars, je viens de prendre la photo avec Christopher Lloyd qui est ici, que je vais vous mettre ici. Stylé ou pas? Je suis super content. Je pense que je le verrai juste une fois dans ma vie. Ça fait trop plaisir. C'est un peu émouvant quand même, parce que c'est un film que j'ai dû voir au moins 19 fois en un an. Ça fait beaucoup, hein. Bon les gars, je vais faire encore un petit tour du salon pour vous montrer pour moi les meilleurs costumes. C'est parti! I met you in the morning, summertime. The skies were warm and golden, mid-July. I dove into the blue. Avec mon petit pote qui est en train de faire le dessin. Et il va peut-être dessiner la bite de Jérôme. T'aimerais ou pas? De quoi? Tu dessines ta teub. La teub? Ouais. Non. En manga. Ouais, il faut un poster. Eh ben c'est plutôt pas mal. C'est qui le beau gosse sur la photo? Je crois bien que c'est moi. C'est toi? C'est moi. Franchement, t'as été vachement gentil avec Roby, je trouve. Mais non, les beaux gosses, c'est quoi le grand film là? C'est Naruto. Ah, c'est dans les noobs. Les noobs 2 et du Kobuk 5. Tu joues à ça avec des textes, tu vois? Ouais. Non.
Dis donc, du commu, j'aimerais bien avoir votre cahier de texte. Trop fort. Bien joué, monsieur. Ah, c'est cool. Franchement, tu rends bien. Stylé, hein. Merci, mal, bien joué. Hein. Quoi? Est-ce que tu veux que je te l'enroule? Oh ouais, tu roules là, moi. Oh, tu sais quoi? Fume. Et t'habites à côté de Montpellier. Ouais. J'habite juste à côté de Montpellier. T'habites à Durcy. J'ai compris. C'est comme une bite, quoi. Comme une bite. Il est pas insupportable. Voilà pour toi. Merci. C'est cool. Trop fort. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Et c'est à cool. Très bientôt. Allez, dans à très bientôt sûrement, ouais. Bien, les gars, après 3 heures, même 4 heures de route, nous sommes enfin à Paris, chez nous. C'était un week-end extraordinaire, un week-end mémorable. Merci Jérôme pour tout, merci de nous avoir invités. Lorraine a travaillé, moi j'ai rien foutu. J'ai un peu aidé au début et à la fin, mais c'était un week-end exceptionnel. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Des bisous, salut. N'hésite pas à mettre un petit abonnement, un petit commentaire, un petit like. Des bisous. Salut.